Bah oui, le chat, on revient sur Ophus, on revient aussi forcément sur le forum d'Ophus. Que faire des voix pourries des classes? Ça existe. Je ne connais que le Zater, mais je me doute qu'il y a d'autres classes avec des éléments inexploitables ou sous-valorisés. Pensez-vous qu'il faut les abandonner ou les revaloriser? Bah, ça a toujours été dans la politique de Hang Hang de les revaloriser, c'est quoi cette sous-question? Mais si tu trouves qu'il n'y a pas assez de sucre dans ton café, est-ce que tu le jettes ou tu rajoutes du sucre? Même level, là. Non, mais l'Osater, en plus, il est pas acheté. On l'a vu encore cet après-midi. Non, c'est juste qu'il faut rejouer à une vraie méta. Et t'inquiète pas, il n'y aura pas de sous-éléments. Hein. Même les KR, on le joue, nous. Mais du coup, c'est quoi les sous-éléments? Et Kaflip O, MDR. Les Kaflip O est un banger. Les Kaflip O, quand on retirera les shields en trop et qu'on remettra plus de map legit, ce sera l'un des meilleurs éléments de la classe. Et on nous dit que les KO n'est pas efficace. Waouh, waouh, waouh. Les joueurs sont trop enfermés dans la médiocrité de leur méta. Osater, ça existe? Ouais, c'est fort. Et KO, idem. C'est extrêmement fort. Fekater, lol. C'est le meilleur élément du Fekka. Eliotter, tu débuffes. Mais c'est quoi ce forum, en fait? Puis en plus, on parle de PVP, mais t'inquiète pas, les KO en PVM, c'est la meilleure place. Hein, meilleur élément. Envie de parler du Xelfeu qui n'a que le sort pour être jouable, aiguille et suspension. La voix est pas faible, ça tape, mais c'est rigide de fou. Désastreux, la vie de Kirvania. Qui parle du Xelfeu, mais le Xelfeu, il est absolument legit dans notre méta. C'est juste qu'actuellement, la dominance, c'est le Xelter. Le Xelfeu n'est pas nul, c'est juste que le Xelter est une super puissance. Non, désastreux. Kirvania, c'est un mec qui fait de l'aider, il a chié, mais il est content, il a 4400 de cote, et il monte. Alors, lui, c'est vraiment terrible. Vous savez que la nuit, c'est très simple de monter en cote. Et régulièrement, il me trash sur le forum, parce qu'il se met en tête que trasher use, c'est trasher la représentation de la méta farm, et donc c'est s'élever en niveau. Mais il est tellement à chier qu'il dépasse pas les 4400 cotes avec un Xel, et il joue la nuit pour croiser les joueurs à tel cachage. Je l'ai croisé. Je l'ai croisé, je faisais montage, Waven, Dofus en même temps. Qu'est-ce que tu fous là, Kirvania? Le PGM du forum Dofus. Enfin bref, tous ces avis seront désastreux à partir du moment où c'est une merde. Et je dis ça en connaissance de cause, c'est pas... J'improvise pas, quoi. J'aime ton contenu, mais tu craches sur pas mal de gens. Alors je crache sur les gens qui disent n'importe quoi. Et qui sous-entendent que leur avis prévaut sur les autres. Il n'y a que mon avis qui prévaut sur celui des autres. Et surtout que quand les mecs, tu vois leur comportement sur les forums, et derrière vont trash ce que tu fais toi, alors qu'on a des années-lumière en termes de Torycraft, de tout ce qu'ils pourront développer in-game, sur le jeu, t'es obligé de remettre les pendules à l'heure, quoi. Et moi, je suis horloger hein, à ce niveau-là. J'ai dit de changer la musique du trou parce que j'aime bien revenir sur cette vidéo, mais la musique me réveille à chaque fois. Ah ouais, temporisation, mais... Mais j'aime bien, moi, cette musique. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Vous l'avez vu ou pas? Personne ne l'a vu, pourtant, c'est évident. ZZZ. moi je l'ai vu ici. Hop. Complice. Après c'est de la jalousie, il essaie de faire... Non, il essaie pas de se faire connaître. En fait, sur le forum d'Ophus, le seul objectif, c'est de prouver qu'on est quelqu'un, donc c'est des prouveurs. Et c'est des attention whore de Hang Hang. Ils espèrent que quelqu'un du staff va lire les trucs qu'ils proposent. Parce que des fois, il y a le CM qui dit « Je remonte aux équipes compétentes ». Mais non, comme j'ai déjà dit, le forum de flux, il faut surtout pas écouter ces joueurs qui sont des prouveurs. Il faut m'écouter, moi. C'est pas condescendant, hein. C'est pas de la condescendance.
On m'écoute que moi, on fait affiance en colis, fois 20. La complice de taper sur la cible aussi. Ouais, ça serait banger ça. Hein. Là, je ferais du double kill. Ouais, bah moi le Zobal ça me tente. J'ai commencé à entamer, mais j'ai l'impression qu'on fait pas de dégâts dessus. Tu la chances des cas? Ah ouais. Quel hypocrite sur Whispers. Alors Bombas qui joue avec un mode en canard. C'est quoi le nom de ce OST Banger? Alors là on est sur du. De mémoire. Dragon Quest. Avec un compositeur qui est malheureusement mort. Il est mort pendant le Covid. Ah, attendez! C'est bien de se puissance avant de taper. Ah, effectivement, on tape plus. Tic tac tic tac Whispers. Tu crois que tu vas aller loin avec ton mode flopesque? T'es en mode. T'es en quel stuff là? Tu vas jouer sur les serveurs. Nouveau serveur quand Dofus 3 va sortir, Unity quoi. Est-ce que ça s'appellera Dofus 3? Je sais pas. Trouver un nom pour Dofus Unity. T'as essayé le PvP sur Waven? Quand as-tu pensé? Non, je n'apprécie pas forcément Camus. PvP sur Waven, c'est pas assez développé. Chasse ou barbé, c'est flopesque, hein, le mode O, tu as vu le forum? Et KO, c'est complètement nul. Bah, moi, j'ai lu le forum, Whispers. Tu n'es pas un lecteur du forum. C'est vrai que le forum, pour les joueurs Dofus, c'est un petit peu le magazine Forbes pour les riches. Tout le monde lit le forum. Flopfus. Donuti. Flopiti. Vous êtes mauvaise langue. Non, attendez. Ouais, Dofus 3 classique. Ou alors on change complètement de nom hein, si on change d'objectif in-game. C'est vrai que l'Inde change de nom aussi. C'est quoi le nouveau nom de l'Inde? J'ai oublié. Retour chance, ouais. Ouais, malgré tout, il tank pas mal, hein. Barat. Vous voyez comment il tank. Il est en retour, je pense, hein, le Jnak. Ça tank trop. Comment on récupère la rota?
Waouh. Est-ce que ça reste en mêlée? Alors, complice. Attendez, ivoire dans... Pas d'ivoire. Est-ce que je peux le tuer avec une flamiche? Ah, du coup, j'ai pensé trop de PM, je suis dégoûté. Ah, il y avait aussi le retour chance. Le retour tort. Ah, Rispers, Rispers, Rispers. Arrête, arrête. Il va tout mettre pour que son pote me tue. Non. Odora. Avis sur Odora à chaud. Moi, j'aime bien. Ok, allez, je continue à mitrailler, putain, mais... Ce combat est marrant, quand même. Ça fait 3 tours, j'ai une liberté totale au niveau de mes actions. Ça, c'est le shad. Même si je meurs, qu'est-ce qu'on s'éclate, quoi. Alors, je peux faire ça. Flamme. Œil pour œil d'hypocrite. Alors bombasse, il lui reste 900 HP, c'est la complice là, elle m'a mis bien. Hein. Mine de rien. Je change de classe, je go the ball cheat. Sur Waven, il n'y a pas de the ball crying. Ça fait un peu méta slave, non, the ball crying, il me semble. Friction. Ah, ça c'est marrant. Alors, héros, héros, écras, et on se cache ici. Le joueur peut pas se vita, il peut pas faire grand chose en fait. Hein. Là, c'est la win. Avis sur l'œil de top. Le pire cancer du jeu. Bien joué l'équipe. Ça c'est le shad, ça c'est le shad. Rien à dire. Sramfeu, c'est... Putain, mais c'est tellement bien. En PVM, le seul moyen de jouer ça, c'est d'être en pas de greffe. On peut pas vraiment appeler ça jouer feu. En PVP, brume, héros, pesanteur... Mais le Sramfeu, mais c'est trop bien. Mais c'est le perso qui T1 peut ramener un mec en lui faisant des dégâts de fou de 6 cases. Dérive, comploteur, guet-apens, guet-apens. Le Sramfeu, il te permet de prendre des lignes de vue que t'as pas de base avec la fourberie. Et ça a l'un des meilleurs ratios de dégâts PA du perso avec la fourberie 3 PA suivi d'une coiffe de classe du coup. Le Sramfeu, elle est meilleure T1 de la classe. Sur du frag, sournois, dérive. Et les mecs sont en train de dire, Sramfeu c'est nul. En PVM, le seul moyen de rendre ça viable, c'est de jouer feu crit, quoi. Et attendez, les mecs, s'ils jouent Sramfeu en PVP, c'est pour soigner. Bah du coup, c'est peut-être que c'est efficace. Ouais, mais c'est pour soigner, c'est pas feu. Un rework léger. Non, adaptez-vous. Adaptez-vous, jouez dans les vrais méta et vous verrez que il n'y a pas besoin de rework. Quand vous trouvez un level faible, un élément faible, c'est peut-être que vous ne jouez pas de la meilleure des manières. Parmi toutes les situations, je dirais que Lozater et The Valo, c'est les seules voies qui n'ont absolument aucune application. Bon, Lozater, on a des bunks, c'est faux. Et The Valo, le The Valo, il a une utilité depuis que la Pontera est redevenue efficace.
Mais c'est vrai que Zobal O, pour le coup, c'est plutôt du Odopou qui peut être efficace. Mono O, il n'y a pas grand chose, il me semble. Sans faire hypocrite, sans dire ouais, nous on peut faire du Zobal O à cette méta ou quoi. C'est vrai qu'au global, on préfère jouer d'autres Zobal. Allez, allez. Faut refaire, Sadi. T'as mal écrit, supprimé. Kra, Oza, Eka avec des gameplay qui fait d'eux une classe à part. Ouais, t'as raison. Sortez les fourches. Désastreux, désastreux.